الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est plus qu'heureux d'être avec vous ici dans la ville de Lille, auprès de mon frère Nabil de l'association Le Message. On remercie Allah Tabaraka Ta'ala de nous avoir facilité ce déplacement. On remercie Allah Azzawajal de nous avoir facilité de trouver un créneau pour venir vous voir car les habitants de Lille nous ont manqué. On remercie aussi les frères, les responsables et en particulier le président de l'Institut Avicenne de Lille qui nous a ouvert les portes pour cette conférence. Mon frère Nabil, c'est une histoire qui est très longue. Tout comme notre frère Nabil l'a dit tout à l'heure, qu'il m'aimait pour Allah, wallahi, Allah, il est témoin que je l'aime aussi pour Allah, subhanahu wa ta'ala. On espère que par cet amour, on sera, inshallah, sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et bien sûr, on vous aime tous pour Allah, tabaraka wa ta'ala, et on espère qu'on sera tous rassemblés, yawm al-qiyam, autour de la meilleure des créatures, Muhammad, alayhi salatu wa salam, dans le meilleur des endroits, al-jannah, le paradis. Je suis très heureux d'être avec vous. Et en même temps, je suis gêné des présentations où quand on me présente, on ne dit pas réellement ce qu'il faut dire. Donc, permettez-moi de revenir sur ce qui a été dit, c'est important. Donc maintenant, voilà, c'est quelque chose, quand on est invité, on entend beaucoup ça. Le frère Nader, incontournable, Durus.net, trop connu, le cheikh, le frère qui a beaucoup de science. Tout ça, je vous le dis, et c'est des convictions, c'est ce que j'ai dans le cœur. Vous vous trompez totalement. Vous vous trompez totalement. C'est simplement Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit certaines personnes, il les met un peu plus en avant que d'autres, et ça ne veut absolument pas dire qu'on ait tout ce qui a été dit. Et quand j'entends ces paroles, je me rappelle souvent de la parole d'un de nos ancêtres, des pieux prédécesseurs, qui disait « Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun, waj'alni khayran mimma yadhunnun, waghfir li ma la ya'lamun. » Oh Allah, Allah ne me punit pas pour ce qu'ils disent de moi. Ne me punit pas pour toutes ces éloges qu'ils disent de moi. Et fais que je sois meilleur que ce qu'ils disent. C'est-à-dire, vous voyez une image, ben j'espère, Inch'Allah, et je demande à Allah d'être meilleur que cette image. Et Allah, je te demande de me pardonner ce qu'ils ne savent pas de moi. Vous ne savez pas à quel point on est négligent et à quel point beaucoup parmi vous ont beaucoup plus de valeur auprès d'Allah que nous avec nos conférences et nos déplacements. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde qui cache les défauts, c'est Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde qui fait les choses. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, de nous faciliter de vrai sur cette voie et que l'éloge et la critique soient pour nous la même chose. Ça vaut zéro. Si le croyant il met ça dans sa tête, il pourra inchallah avancer. Mais c'est à partir du moment où on lui fait des éloges, il se gonfle, on lui fait une critique, il lâche son travail, c'est qu'il n'est pas mukhlis, il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. La personne sincère est celle qui ne regarde pas ça. Qui ne regarde pas ça. Dans le cas où la critique elle est construite, bien sûr, on l'accueille à bras ouverts, mais ce n'est pas le cas de ce qui se passe aujourd'hui. Vous le savez mieux que nous, et c'est pour ça qu'on n'y répondra pas. Et ça, ils peuvent en faire des millions. On n'y répondra jamais, Inch'Allah. Donc, après cette introduction, sachez qu'on a rendez-vous aujourd'hui avec une femme très particulière. Et j'ai l'honneur, je dis bien, j'ai l'honneur de vous présenter cette biographie. La biographie du jour est très touchante. Pour ceux qui nous suivent sur le net, ils ont pu voir qu'on a parlé de Maryam alayhi salam il n'y a pas très longtemps. Et j'avais promis qu'on allait parler d'une autre parmi les femmes qui sont des modèles pour la communauté musulmane. Aujourd'hui, je vous demande de me prêter vos cœurs et vos oreilles, car cette biographie-là, elle est tout simplement sublime et magnifique. Masha'Allah, la quwata illa billah. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une reine. La reine du plus important et du plus puissant des royaumes de son époque. Une reine. Un royaume où servantes et esclaves étaient sous son ordre. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la croyante ferme, la pieuse, l'ascète, celle qui a vendu cette dounia à ce bas monde. Elle a vendu le bas monde. Et avec cela, elle était la plus heureuse des femmes. Il s'agit de la véridique, de la martyre. Une reine
qui a échangé ce bas monde et toutes les richesses qu'elle possédait contre l'au-delà. Une reine qui a accepté d'être châtiée après avoir goûté à tous les délices de ce bas monde. Une reine qui a accepté la faim et la soif après le rassasiement. La femme avec qui nous avons rendez-vous aujourd'hui est une femme noble et bénie. Une femme modèle. Une femme qui a choisi Allah Azza wa Jal comme voisin dans l'au-delà. Une femme qui a choisi Allah Azza wa Jal comme voisin dans l'au-delà avant de choisir sa maison au paradis. Il s'agit de la lampe de la foi qui illuminait ce royaume mécréant et ténébreux. Il s'agit du sourire d'espoir qui console les douleurs. Il s'agit de la source jaillissante au milieu de ce désert ardent. Il s'agit de la belle fleur qui pousse au milieu de cette terre vide. Il s'agit d'un exemple pour les croyants jusqu'à la fin des temps. Il s'agit d'Assia, la femme de Pharaon. Mes frères et sœurs, qui d'entre nous connaît Assia bint Muzahim, la femme de Pharaon? Qui? De non seulement vous connaissez son histoire. Qui connaît son histoire? Ouais. C'est le constat malheureusement. Et c'est à cause de ça qu'on a perdu notre fierté. On ne connaît plus notre histoire. Par contre, je l'ai dit dans plein de conférences, il y a des noms qui sonnent dans la tête quand je les cite. Quand je dis Caris, ça sonne. Quand je dis Booba, ça résonne. Quand je dis Rof, ça tremble dans la tête. Mais quand je dis Assia, la femme de Pharaon, ou Maryam alayhi salam, ou quand je dis... On a fait une conférence tout à l'heure sur la coiffeuse de la fille de Pharaon. La coiffeuse de la fille de Pharaon, c'est qui? Eh bien, il est grand temps de revenir un petit peu à notre histoire afin de changer et d'être fier de notre religion. Qui d'entre nous connaît cette femme exemplaire? Qui d'entre nous connaît cette femme qui a fait la concession de toutes les richesses et les ornements de ce bas monde pour Allah Azza wa Jal? Je m'adresse ici à ceux qui vivent dans les palais, dans les grandes villas. Je m'adresse à toutes ces personnes à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé beaucoup d'argent en leur disant « Cette femme a abandonné toutes les richesses de ce bas monde, elle a tout abandonné pour garder sa religion, sa foi, afin de finir au paradis. » Elle n'a pas sacrifié son au-delà pour un vil bas monde, comme c'est le cas de beaucoup de frères et sœurs malheureusement qui sacrifient al-jannah, qui sacrifient l'au-delà, pourquoi? Pour le travail. Pour le travail, ils ne prient plus. Pour le travail, elle porte plus le hijab. Pour le travail, il retarde ses prières. Il va pas faire la jumu'a. Il mange haram, c'est pas grave. Pour le travail, ils font des concessions catastrophiques. Et ils perdent leur dîn petit à petit. Au lieu de le garder, de le conserver, eh ben non. Ils se disent, voilà, nous, on n'est pas dans notre pays, on longe les murs, ils sont complexés, ils ont honte de montrer leur religion. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Qui d'entre nous connaît cette femme qu'Allah Azza wa Jal a privilégiée lorsqu'il, subhanahu wa ta'ala, l'a citée dans son livre sacré Al-Qur'an Al-Karim afin qu'elle soit mentionnée jusqu'au jour du jugement? Allah tabaraka ta'ala, il a parlé d'elle. Où? Dans le Coran. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Tahrim, Sourate 66, verset 11, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ إِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon. Il la cite en tant qu'exemple. La femme de Pharaon, quand elle dit Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Ibn Kathir rahimahullah et les Mufassiroun, ils disent quoi? Ils disent que elle a choisi le voisin avant de choisir l'emplacement de sa maison au paradis. Elle a dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. À travers ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala prend comme exemple pour les croyants, ya'ibadallah, les croyants, Allah azzajal prend comme exemple pour les croyants, la femme de l'homme ayant atteint le plus haut degré de la mécréance. Et je pèse mes mots. Et je pèse mes mots. En effet, Pharaon est le plus grand mécréant ayant foulé la terre. Si Allah Azza wa Jal prend pour exemple, pour les croyants, la femme du plus mécréant des mécréants, quel est le mérite de cette femme auprès d'Allah?
quel est le mérite de cette femme auprès d'Allah Azzawajal. Si Allah tabaraka ta'ala prend comme exemple pour les croyants une femme qui a habité au cœur même de la mécréance, ce n'est sûrement pas pour rien. C'est bien parce que le mérite de cette femme est immense. Une femme patiente, une femme ferme et obéissante à Allah Azzawajal, une femme pieuse et pure. Aussi, lorsque je vous disais que Asya a choisi le voisin avant de choisir sa maison, c'est parce qu'elle a imploré Allah en lui demandant « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. » Avant de demander une maison au paradis, elle a demandé à Allah d'être avant tout auprès de lui. Vous réalisez, mes frères et sœurs, le degré de piété et d'éveil de cette femme ? Certains sont certainement en train de se dire « Mais pourquoi il commence la biographie par la fin ?» Pourquoi tu commences par la fin ? Ça, c'est la fin de la conférence. Je vous réponds que c'est volontaire. C'est pour attirer votre attention et vous montrer à quel point cette femme est unique en son genre. Et c'est également ce qu'a souligné notre prophète alayhi salatu wasalam dans plusieurs hadiths. Selon Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Des hommes modèles, il y en a eu beaucoup. Mais parmi les femmes, il n'y a eu que, on ouvre le guillemet, il n'y a eu que, dit le prophète alayhi salatu wasalam, Maryam bint Imran. Maryam, c'est la mère de Isa alayhi salam. Asya, la femme de Pharaon. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wasalam, il dit qu'elle fait partie des modèles. Asya, la femme de Pharaon. Et Khadija bint Khuwaylid. Et Aisha, par rapport aux autres femmes, et comme le farid sur tous les autres plats. Le farid, c'est un plat composé de pain et de viande, et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wasalam, en personne, fait l'éloge de Asya, la femme de Pharaon. Pourquoi ? Parce qu'elle a cru en Allah Azzawajal. Et elle a cru en son frère, Moussa alayhi salam. Le prophète Moussa alayhi salam. Ainsi, nous ne faisons aucune différence entre Muhammad alayhi salatu wasalam, Moussa ou Isa concernant notre croyance, concernant notre foi en eux. On croit en Moussa alayhi salam, tout comme on croit en Isa alayhi salam, tout comme on croit en Muhammad alayhi salatu wasalam, tout comme on croit au prophète Daoud, tout comme on croit au prophète Sulaiman, Younous, etc. Regardez, subhanallah, la beauté de notre religion et l'équité de notre religion. On croit en tous les prophètes. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wasalam cite 4 femmes parmi les meilleures femmes de tous les temps. Il dit que c'est des femmes qui sont complètes. Il cite Maryam et juste après, Asya, la femme de Pharaon. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, rapporte, le prophète alayhi salatu wasalam a tracé 4 traits sur le sol. Médite bien sur ce hadith. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a tracé 1, 2, 3, 4 traits sur le sol. Et il, alayhi salatu wasalam, a dit, savez-vous ce que c'est ? Ils dirent, Allah et son messager sont les plus savants. Il, alayhi salatu wasalam, dit, les meilleures femmes du paradis sont. Les meilleures femmes du paradis sont. 1. Khadija bint Khuwaylid. Fatima bint Muhammad. C'est la fille de Khadija, du prophète, alayhi salatu wasalam. Maryam bint Imran. Et Asya bint Muzahim, la femme de Pharaon, rapportée par Ahmed et authentifiée par Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Écoute bien, les meilleures femmes du paradis. Mais qui est donc Asya ? Qui est cette grande personnalité citée par Allah Azzawajal dans un verset ? Et par le prophète alayhi salatu wasalam dans ses hadiths ? Qui est cette femme qu'Allah Azzawajal a pris comme exemple pour les croyants et les croyantes ? Et que le prophète alayhi salatu wasalam nous a présenté parmi les meilleures femmes du paradis ? Qui est cette femme qui fait partie des meilleures femmes qu'a connue la terre, depuis Hawa jusqu'au jour dernier? Mes frères et sœurs, le début de cette histoire, et là je vous demande de voyager avec moi dans le temps, le début de cette histoire est douloureux. Un début sanglant. Le début de cette histoire est un rêve qu'a vu Pharaon. Un rêve ou plutôt un cauchemar qui l'a dérangé toute la nuit et qui a gâché sa journée. Un cauchemar qui l'a obsédé et perturbé. Lorsqu'il s'est réveillé, Pharaon fut pris par la panique et la peur. Il ne parvenait pas à se calmer et à reprendre ses esprits. Au petit matin, il rassembla alors les sorciers. Il amenait qui ? Les sorciers, les charlatans, les interprètes de rêves. Et la cour de son palais fut remplie par ces hommes. Que se passe-t-il ? Pourquoi Pharaon nous a rassemblés ? La cause était ce cauchemar douloureux qu'il avait fait, qui le perturbait et l'effrayait. Il raconta alors son rêve à son assemblée. Et après avoir écouté attentivement les paroles de Pharaon, tous, j'ai bien dit tous, T-O-U-S, tous, en ont tiré une seule et unique interprétation.
C'était quoi cette interprétation? Vous le savez? Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les histoires du Coran, tous ont tiré une seule et unique interprétation. Il n'y en avait pas un qui n'était pas du même avis que l'autre. Ils étaient unanimes pour dire que l'interprétation du rêve était la suivante. Un enfant qui naîtra parmi les enfants d'Israël viendra te prendre ton royaume. Il s'agit de qui? Ben voilà. Vous étiez où tout à l'heure? Il s'agit de Moussa alayhi salam. Un enfant qui naîtra parmi les enfants d'Israël viendra te prendre ton royaume. Il va changer ta religion. Oh, c'est une grande menace. C'est une grande menace. Il vient avec une autre religion. Te vaincre et t'expulser toi et ton peuple de la terre. Et cet enfant ne va pas tarder à naître. Il arrive bientôt. Allahu Akbar. Pharaon, il entend ça des interprètes, de ses sorciers. Il est pris de panique. En entendant ces paroles, Pharaon est scotché. Il n'y croit pas, il est terrifié. Quelqu'un qui va venir prendre mon royaume avec une autre religion? C'est pas possible. La nouvelle lui arrive comme un tonnerre. Il demande alors à ses notables de lui répéter cette interprétation. Et ils la répétèrent. Pharaon fut rouge de fureur. Et il fut emporté par l'injustice et la stupidité. Sans réfléchir un instant, il prit une décision extrêmement brutale et violente. Une décision injuste, une décision stupide. Sous l'emprise de la colère, il ordonne de tuer tous les garçons qui naîtront parmi les enfants d'Israël. Comme ça, sur un coup de tête et en toute impunité, il décide de tuer injustement tous les mâles parmi les nouveau-nés qui naîtront au sein des enfants d'Israël. Quelle énormité! Il est même rapporté dans certains livres d'histoire que Pharaon a tué environ 70 000 enfants. Ah, Maël Apch, mon frère, hein. C'est un show, il est fou. 70 000 enfants. 70 000 enfants parmi les enfants d'Israël. C'est incroyable. Mais Pharaon était d'une cruauté indescriptible. Et au milieu de cet environnement, couvert par les nuages de l'injustice et irrigué par le sang de ses enfants innocents, et tout cela pourquoi? Pour un trône éphémère. Pour un trône éphémère. Pour un statut de roi éphémère. Pour des richesses éphémères. Mes frères et sœurs, en aucun cas vous ne devez faire la concession de ce qui est éternel pour ce qui est éphémère. Donc au milieu de tout cela, alors que Pharaon était en train de massacrer les enfants des enfants d'Israël, la mère de Moussa alayhi salam, qui était enceinte, n'a plus réussi à dormir. Elle est enceinte. Et elle ne sait pas, il n'y a pas d'échographie pour savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc mets-toi un petit peu à la place de la mère de Moussa, qui est enceinte, et qui ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Elle n'arrive plus à dormir. Elle se dit, si c'est une fille, elle sera sauvée. Mais si c'est un garçon, il sera égorgé. Et les espions de Pharaon étaient partout. Partout. Et toutes les femmes enceintes étaient connues. Dès qu'un garçon était né, il était tué sur le champ. Imaginez, mes frères et sœurs, l'état d'une mère enceinte qui est paniquée tout au long de sa période de grossesse, ne sachant pas si son bébé sera une fille sauvée ou un garçon tué. Imaginez, mais essayez d'imaginer cette maman qui met au monde un garçon qui, comme tout nouveau-né, se met à pleurer et les hommes de Pharaon l'entendent pour venir découvrir que c'est un garçon et le tuer. C'est alors que la mère de Moussa alayhi salam mit au monde Moussa. Et son cœur fut déchiré de peine lorsqu'elle découvrit que c'était un garçon. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Ils vont prendre mon enfant, ils vont le tuer. La mère de Moussa était sûre que son bébé allait inévitablement être tué. Elle n'attendait qu'une seule chose, c'est que les gardes de Pharaon arrivent d'un instant à l'autre et que son fils soit égorgé. Lorsque les choses devinrent plus que dures à supporter, Allah tabaraka ta'ala fit une révélation à la mère de Moussa alayhi salam. T'imagines? Une révélation à qui? À la mère de Moussa, et ça c'est mentionné dans le Coran. Comment était cette révélation? Et où est-ce qu'on trouve cela dans le Coran? Écoutez avec moi. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Qasas, Sourate 28, verset 7, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci, allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, si tu as peur pour ton enfant, jette-le dans le flot, jette-le dans la mer. Subhanallah. Dès que tu as peur pour ton enfant, jette-le dans la mer. Et n'aie pas peur. Et ne t'attriste pas, nous te le rendrons. Allah tabaraka ta'ala lui dit, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comment est-ce qu'Allah tabaraka ta'ala a révélé à la mère de Moussa? Parce qu'on voit, wa awhayna. Et le wahy, c'est la révélation, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il lui a envoyé Jibril alayhi salam qui lui a parlé? Comment? Il y a, la révélation se fait de plusieurs manières, comme vous le savez. Les rêves, l'inspiration, Jibril alayhi salam qui vient, et bien là, c'était par inspiration. Par inspiration, comme le dit l'imam Ibn Kathir et d'autres parmi les Mufassirin. Donc, ça a été une inspiration. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a inspiré, dans le quoi elle avait peur pour son enfant, de le jeter dans la mer. Et on voit le sens d'inspiration dans plusieurs versets. Vous savez, quand on voit le mot « wahy », ça ne veut pas dire tout de suite une révélation par Jibril alayhi salam. Par exemple, dans sourate An-Nahl, sourate 16, verset 68, « Wa awha rabbuka ila an-Nahl » Et voilà que ton Seigneur révéla aux abeilles. Ça, c'est plutôt une inspiration. D'accord? C'est pas Jibril alayhi salam, il est venu aux abeilles. Ça bien comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci. Allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur. Et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, si tu as peur pour ton fils, jette-le dans la mer? Et quelle mère serait capable de le faire? Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal inspira à la mère de Moussa alayhi salam de le faire, en lui promettant de lui rendre son fils et de faire de lui un messager, elle l'exécuta l'ordre de son Seigneur. Allah tabaraka ta'ala a dit dans sourate Taha, sourate 20 verset 37 à 40, وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين. Et nous t'avons déjà favorisé une première fois lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots. Pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive, un ennemi à moi et à lui le prendra. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'un ennemi de Moussa et un ennemi d'Allah le prendra. On va voir après c'est qui cet ennemi. Vous savez c'est qui? Pharaon. Un ennemi à moi et à lui le prendra. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part afin que tu sois élevé sous mon œil. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait, puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Ainsi, nous te rapportâmes à ta mère afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu as ensuite tué un individu. Nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis tu demeureras des années durant chez les habitants de Madian. Ensuite tu es venu au Moïse conformément à un décret. Allah Azza wa Jal dit concernant la mère de Moussa dans sourate Al-Qasas, sourate 26 verset 10, wa asbaha fu'adu ummi Moussa farira in kadat la tubdi bihi. Écoute bien, et le cœur de la mère de Moussa devint vide. Devint vide, peu s'en fallut qu'elle ne divulgât tout. Et le cœur de la mère de Moussa devint vide. Vide de tout ce qui concerne la dunya à part Moussa. Elle ne pensait plus à autre chose. Elle ne pensait plus à autre chose. Elle n'avait à l'esprit que son bébé qui venait de partir dans la mer pour une destination qu'elle ne connaît pas. Elle avait peur pour lui, elle l'a mis dans un coffret et elle l'a jeté dans la mer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et le cœur de la mère de Moussa devint vide. Ça y est,
elle n'avait plus rien comme souci et comme occupation à part de penser à qui? À son bébé. Peu s'en fallut qu'elle ne divulgue tout. C'est-à-dire que ça y est, elle n'en pouvait plus. Elle était prête à tout dire. Peu s'en fallut qu'elle ne divulgue tout. C'est-à-dire que tellement elle était triste, elle voulait dire à tout le monde ce qu'elle venait de faire. Elle voulait crier et dire « J'ai jeté mon enfant dans la mer. » Mais Allah Azzawajal l'a raffermie et elle patienta. Vous les mamans qui m'écoutez, imaginez-vous qu'on vous donne le choix entre ces deux choses. Ou on tue ton fils, ou bien tu le mets dans une boîte, dans un coffret, et tu le jettes dans la mer. C'est un choix extrêmement difficile. Après qu'elle l'ait jeté dans la mer, qu'est-ce qu'il a recueilli? Bah écoute, Allah tabaraka ta'ala dit dans Surat Al-Qasas, Surat 28, verset 8, « Faltaqatahu alu Fir'aoun » Allahu Akbar. « Alu Fir'aoun liyakuna lahum aduwan wa hazana » Les gens de Pharaon le recueillirent. Subhanallah, elle a fait ça pour fuir Pharaon. Et qui va recueillir ce coffret où il y a ce bébé, Moussa alayhi salam? C'est les gens de Pharaon. Les gens de Pharaon, dit Allah subhanahu wa ta'ala, le recueillir pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. La dernière chose qu'elle imaginait, c'était que ce soit la famille de Pharaon qui recueille son fils. Justement, c'est eux qu'elle craignait et qu'elle fuyait. Et la famille de Pharaon n'a jamais recherché Moussa. C'est le fleuve qui l'a poussé jusqu'à chez eux et eux l'ont simplement recueilli. Et regardez justement la puissance d'Allah Azza wa Jal. Les vagues ont porté ce coffret contenant Moussa alayhi salam à droite et à gauche pour finalement arriver jusqu'au royaume de Pharaon et stagner là-bas. Puis Moussa alayhi salam est récupéré et apporté à Pharaon. C'est donc à cause de cet enfant-là que 70 000 autres enfants ont été tués. C'est de lui qu'il était question dans le rêve. C'est lui qui va lui prendre son royaume, changer sa religion et le chasser de ses terres. Mais regardez la puissance d'Allah Tabarakotal. Parce qu'il craignait cet enfant, Pharaon poursuit les enfants d'Israël et tue 70 000 parmi les nouveau-nés. Et lorsque l'enfant en question viendra jusqu'à lui sans le moindre effort de sa part, il le laissera en vie. Il le laissera en vie. Allah Tabarakotal, il en parle dans Surat Al-Qasas. Sourate 28, verset 7. « وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ » Et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci. Écoute bien, allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas, nous te le rendrons. Pourquoi tout cela? Parce qu'Allah Azza wa Jal était aux côtés de Moussa alayhi salam. Allah tabaraka ta'ala était aux côtés de Moussa alayhi salam. Mon frère, ma sœur, si Allah tabaraka ta'ala est à tes côtés, tu n'as plus rien à craindre. Sois pleinement convaincu qu'Allah Azza wa Jal est aux côtés des croyants, des pieux, des sincères. Il est à leur côté même s'ils ne disposent d'aucun moyen pour se mettre en sécurité. Wallahi l'azim que si tu as Allah à tes côtés, tu ne risques rien. En revanche, celui qui n'a pas Allah à ses côtés ou qui a Allah contre lui, est perdu, même s'il dispose de tous les moyens de se mettre en sécurité. Et tel était le cas de Pharaon. Mais comment Moussa, alayhi salam, sera sauvé? Comment? Par une armée? Comment il va être sauvé? Là, il arrive, dans le palais, il a été recueilli. Comment il a été sauvé? Pas par une armée. Par l'amour qui remplit le cœur de Asya, la femme de Pharaon. Allah tabaraka ta'ala dit dans Surat Al-Qasas, Sourate 28, verset 9. وَقَالَتْ إِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Et la femme de Pharaon dit, cet enfant réjouira mon œil et le tien. Subhanallah, dès qu'elle a vu, c'était le coup de foudre, elle l'a aimé. Elle a dit, ne le tuez pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que Moussa alayhi salam ne soit pas tué. Ne le tuez pas, il pourrait nous être utile ou le prendrons-nous pour enfant. Et il ne pressentait rien, c'est-à-dire il ne ressentait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Puis la promesse d'Allah Azza wa Jal à la mère de Moussa va se réaliser à son tour. Allah Tabaraka Ta'ala lui a dit, nous te le rendrons, n'est-ce pas? Eh bien la promesse va se réaliser. Après que Pharaon accepta de le garder, ce nourrisson
Regardez, subhanallah, comment l'histoire elle est impressionnante. Ce nourrisson refusa de téter tout sein qui lui fut proposé. Il a refusé toutes les femmes de ce palais qui tentèrent de l'allaiter. Qui est cette femme qui l'a allaité plus tard? C'est alors que la sœur de Moussa, qui était très intelligente et qui avait été envoyée par sa mère afin de le suivre. Elle a suivi pour voir où est-ce qu'il allait atterrir. C'est alors que la sœur de Moussa, qui était très intelligente et qui avait été envoyée par sa mère afin de le suivre, intervint et leur proposa de leur indiquer une femme qui pourra le prendre en charge et l'allaiter. C'est où tout ça? C'est dans le Coran. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Qasas, Sourate 28, versets 11 à 13, وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ والله العظيم c'est extraordinaire سبحان الله فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولكن اكثرهم لا يعلمون. Elle dit à sa sœur, suis-le. Donc on voit dans le Coran, c'est la maman qui dit à sa fille, donc la sœur de Moussa, suis-le. Elle l'aperçut alors de loin, sans qu'il ne s'en rende compte. C'est un détail important. Eux, ils ne savaient pas que sa sœur l'avait vue. Ils ne savaient rien du tout de tout ça, rien. Nous lui avions, regarde Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. C'est-à-dire à chaque fois qu'une femme cherchait à l'allaiter, c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal a voulu que ça se passe comme ça. Et que la seule qui l'allaite, c'est qui? La mère de Moussa alayhi salam. Allah Azzawajal dit, nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Quand elle vit, donc la sœur de Moussa, qu'ils étaient à la recherche d'une nourrice, elle, la sœur de Moussa, dit donc, voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ainsi nous le rendîmes à sa mère afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligea pas et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vraie. Pour qu'elle sache que la promesse d'Allah est véridique. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et Allah azza wa jalla dit dans Sourate Taha, Sourate 20, verset 40, إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait, puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Ainsi nous te rapportâmes à ta mère afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Et ainsi Allah tabarak wa ta'ala exécuta sa promesse et rendit Moussa à qui? À sa mère. La sœur de Moussa vint alors chercher sa mère afin qu'elle vienne allaiter son fils dans le palais du roi. Allahu Akbar. C'est impressionnant. Alors que la mère de Moussa n'aurait jamais osé passer près de ce palais. Mais aujourd'hui, elle y entre avec dignité, ayant été invitée par le roi en personne. Mais en voyant son bébé, ce bébé qui a été sauvé par Allah Azzawajal de la noyade, la mère de Moussa a été la plus heureuse, sachant qu'elle venait de retrouver pas son bébé, mais une partie d'elle, son cœur. Vous imaginez sa joie à cet instant? Immense! Imaginez cette scène, mes frères et sœurs. Et surtout vous, mes sœurs, mettez-vous à la place de cette maman. Elle est dans le palais de Pharaon. Elle prend son enfant dans ses bras, alors que Pharaon et sa femme Assia sont proches d'elle. Pharaon et Assia sont en train de regarder. Subhanallah, Assia, elle est en train de regarder. Et elle voit dans ses yeux la joie et la compassion. Sans le savoir, il ordonne à la mère de Moussa d'allaiter son fils. Il ne sait pas que c'est sa mère. Il lui dit, allaite-le. Subhanallah, regardez la puissance d'Allah Azzawajal. Hier, la mère de Moussa avait peur pour son fils de Pharaon. Et aujourd'hui, c'est Pharaon qui ordonne à la mère de Moussa d'allaiter son fils. Allahu Akbar. Wallahi al-Azim, les histoires du Coran, elles font revivre les cœurs, mon frère. C'est impressionnant. Méditez sur la puissance d'Allah Azzawajal. Mon frère, ma sœur, toi qui es dans la détresse et le désespoir, toi qui traverses une épreuve, toi qui es malade, toi qui as du mal à trouver un travail qui respecte les conditions de ta religion, sache que du jour au lendemain, Allah Azzawajal peut te délivrer de tes soucis. Place ta confiance en Allah Azzawajal.
Et sache qu'Allah Azzawajal est capable de tout. Ça, c'est un tawakkul qu'on doit avoir dans le cœur, ancré comme une montagne. D'un jour ou l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te faire passer d'un état à un autre bien meilleur. Et en voici l'exemple concret. La mère de Moussa alayhi salam, elle a le cœur déchiré par la peur pour son fils, elle a peur pour lui que Pharaon le tue, et le lendemain, c'est Pharaon qui l'invite dans son palais et lui ordonne d'allaiter son propre fils. La ilaha illallah. Une personne pourrait se dire, mais ça c'est à l'époque. Aujourd'hui ça marche plus. Ça n'existe plus. Pourquoi? Comment ça n'existe plus? Il reste toujours, walillahi alhamd, des croyants, n'est-ce pas? Et Allah Azza wa Jal, il soutient les croyants. Et subhanallah, il y a une petite anecdote. Un ami à moi que je connais, et j'avais raconté son histoire dans un de mes audios, il me dit qu'il est moniteur donc dans une auto-école. Et c'est un converti, et il est imberbe. Il me dit, pendant longtemps, je faisais la prière dans un petit local en cachette, dans l'auto-école même. Puis voilà, il prenait la voiture, il faisait son boulot, bien comme il faut, mashallah, correct, quelqu'un de carré dans son travail. Il me dit, jusqu'à ce qu'un jour, les autres moniteurs ont su que je faisais la prière dans ce local. Ils ont comploté, et sont partis voir le responsable. Ils sont partis le voir et lui ont dit, voilà, un tel est pris dans cet endroit, en cachette, ceci, cela, etc., etc. Ce frère, il me dit, le patron, il l'a appelé, il lui a dit, j'ai appris que tu faisais la prière dans cet endroit-là. Dans cet endroit qui est petit, qui n'est pas correct, etc. Et depuis longtemps. Et ça, je ne l'accepte pas. Comment est-ce que tu me pries dans cet endroit-là? À partir d'aujourd'hui, je vais te trouver une plus grande salle et tu feras ta prière plus tranquillement et tu n'auras aucun souci. C'est impressionnant, wallah, et vous ne pouvez pas imaginer à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, il soutient ses alliés, il soutient les croyants, il soutient les gens qui sont forts, les gens qui s'en remettent à lui. Cette vie, elle est pleine d'épreuves. Le croyant, il doit endurer. Et il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala, al-thabat 'inda al-bala, qu'il le raffermisse dans les moments d'épreuve. C'est très important. Je reviens à notre histoire. Vous vous rappelez de ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons. Nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. Nous te le rendrons. » Allah tabaraka wa ta'ala lui a rendu son enfant. Puis la mère de Moussa refusa de l'allaiter dans le palais de Pharaon. Elle demanda à l'allaiter chez elle. Regarde bien. Elle expliqua qu'elle avait des enfants et un époux, suite à quoi il lui fut autorisé de l'allaiter chez elle. Wallah al-Azim, c'est impressionnant et comment c'est magnifique de lire les histoires dans le Coran. Mais simplement, il faut les méditer. Au lieu de passer son temps à lire des mangas et d'être sur Facebook à poster un truc tout pourri pour attendre des j'aime. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein, il poste n'importe quoi, un virus, mon frère. Toute la journée, il est là en train de poster un truc tout pourrave et il attend. Allah Iberk, mashallah, 3 j'aime. Au lieu de faire ça, lisez les histoires du Coran. C'est vrai, c'est pas vrai? On s'enrichit, on en apprend, on augmente notre connaissance, notre foi, elle augmente, n'est-ce pas? Il y en a, ils se sont reconnus. Hein. Donc, Allah tabaraka ta'ala lui a rendu son enfant. Puis la mère de Moussa refusa de l'allaiter dans le palais de Pharaon. Elle a demandé à ce que ce se fasse chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait son époux et ses enfants, et ils lui ont autorisé de l'allaiter chez elle. Puis les jours passèrent, et bien sûr, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire de Moussa, cela nous demanderait des semaines, mais écoutez avec moi ces quelques versets où Allah tabaraka ta'ala nous parle de Moussa. Dans sourate Taha, la sourate 20, du premier verset au verset 36. Allah Azza wa Jal dit, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula, ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara, wa in tajhar bil-qawl, fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa hu, lahu al-asma'ul husna,
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى طه Ce n'est pas un prénom parmi les prénoms du prophète عليه الصلاة والسلام. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Et ça, c'est un message qu'il faut comprendre, les frères, ainsi que vous, mes sœurs. Écoute bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Notre religion, elle n'est pas venue pour nous priver du bonheur et de la joie. Non. Mais plutôt, notre religion est venue nous donner les vraies définitions du bonheur. Le vrai bonheur, il n'est pas dans l'argent. Il n'est pas dans les femmes, le luxe, etc. Le vrai bonheur, il est dans Al-Iman Billah Azza wa Jal. Le fait d'avoir la foi en Allah tabarak wa ta'ala. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Donc celui qui pense que la religion égale tristesse, j'abandonne les plaisirs et je vis malheureux, faux. Faux, archi faux. D'accord ? Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah. Et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux et qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah subhanahu wa ta'ala, que tu parles ou que tu caches quelque chose dans ton cœur, il le sait, azza wa jal. Écoute bien. Il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Le récit de Moussa est-il parvenu? Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au prophète alayhi salatu wa salam. Le récit de Moussa, t'est-il parvenu? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici, je vois du feu de loin. Peut-être vous en apporterai-je un tisson. Ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider? Puis, lorsqu'il y arriva, il fut interpellé. Moussa, je suis ton seigneur. Allah tabarak wa ta'ala, il a parlé au prophète Moussa alayhi salam. Moussa, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée, toi. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. T'as vu les versets, comment ils font trembler les cœurs? L'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa? Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qu'il me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons et j'en fais d'autres usages. Allah Azzajal lui dit, jette-le, ô Moussa. Jette ton bâton. Il le jeta et le voici un serpent qui rampait. Son bâton qui se transforme en serpent. Subhanallah. Jette-le, ô Moussa. Il le jeta, et le voici un serpent qui rampait. Allah dit,
Saisis-le et ne crains rien. Nous le ramènerons à son premier état. Et serre ta main sous ton aisselle. Elle en sortira blanche sans aucun mal. Et ce sera là un autre prodige, afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit quoi ? Rends-toi auprès de Pharaon. Oh, c'est une grande mission là. Très très grande mission. Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite. Moussa alayhi salam dit, Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission et dénoue un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Et assigne-moi un assistant de ma famille, Haroun, mon frère. Accrois par lui ma force et associe-le à ma mission afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous. Puis Allah dit, ta demande est exaucée au Moussa. L'histoire de Moussa, alayhi salam, elle est longue. Il nous faudrait des semaines et des semaines et des semaines pour la raconter. Des semaines. Elle est très riche. Mais parmi ce qu'on voit ici, c'est que le prophète Moussa alayhi salam a été envoyé par Allah pour aller voir qui ? Pharaon. Pharaon, il a été invité à adorer Allah azzajal par qui ? Par le prophète Moussa. Pharaon a vu les miracles par lesquels Allah azzajal a assisté Moussa. Mais son orgueil l'a empêché d'embrasser l'islam. Et il est parti jusqu'à combattre les croyants. Et subhanallah, de ce palais du plus grand tyran, sortit une femme pieuse. Et pas n'importe qui. Il s'agit d'Asia, la femme de Pharaon. Elle a cru en Moussa, alayhi salam, dès les premiers instants. Elle a embrassé l'islam. Elle s'est soumise au Seigneur de l'univers. Et dès que Pharaon a appris la nouvelle, il devint fou de rage. Fou de rage de l'avoir adoré Allah et de suivre le prophète Moussa, alayhi salam. Il ne lui a pas fait miséricorde alors qu'il s'agit de ça. Sa femme. Pharaon l'emmena dans le désert, planta des pieux par terre et lui attacha ses mains et ses pieds. Méditez un peu sur la scène et regardez la cruauté de cet homme. Sa femme, avec qui il a partagé beaucoup de choses. C'est le summum de la cruauté. Il lui attachait les mains et les pieds. Et il s'est préparé lui-même à la torturer. Il n'a pas confié cette tâche. Il a dit, je vais le faire moi-même. Salman al-Farisi, ce compagnon du prophète Mohammed, raconte que lorsque le soleil lui devenait dur à supporter, imagine-toi, elle est allongée sous le soleil comme ça, attachée. Lorsque le soleil lui devenait dur à supporter, les anges lui faisaient de l'ombre à l'aide de leurs ailes. Allahu Akbar. Et ça, c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir. T'imagines un petit peu ? Et quand il s'est approché d'elle pour la voir souffrir de plus près, elle leva ses yeux vers le ciel et invoqua Allah Azzajal en ces termes, et ça s'est rapporté dans le Coran, dans Surat al-Tahrim, Surat 66, verset 11. Elle a invoqué Allah Azzajal en disant « Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah, wa najjini min fir'auna wa amalih, wa najjini min al-qawm al-zalimin. » Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. Elle a fait cette invocation à ce moment-là. « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre. » Et sauve-moi des gens injustes. Ibn Kathir, rahimahullah, dit à ce sujet dans son tafsir, Allah lui montra à ce moment-là la maison qui l'attendait au paradis. Elle sourit à cette image. Allahu Akbar. Wallahi, c'est impressionnant. Impressionnant de voir la reine, subir des châtiments aussi horribles. Par qui ? Par son mari. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas voulu renier sa foi. Pharaon dit, n'êtes-vous pas étonné de sa folie ? Je la fais souffrir et elle rit. Et à ce moment-là, elle est en train de regarder sa place au paradis. Elle est en train de regarder, ça y est, l'autre monde. Elle n'était plus sur terre, elle était connectée ailleurs. Allah Azzajal exauça son invocation. Et Allah Tabaraka Ta'ala en fit un exemple pour les croyants. Et c'est ainsi que la reine mourut, laissant ses palais, ses serviteurs, ses robes et ses parfums. Elle avait tout laissé et elle avait choisi de mourir pour retrouver son Seigneur Tabaraka Ta'ala. Ce n'était là que la démonstration de son obéissance à Allah et de sa résistance face aux épreuves. Et croyez-moi, peu d'hommes, j'ai bien dit peu d'hommes, auraient pu faire ce que cette femme a fait. On manque dans notre communauté de personnes attachées à leur religion, comme l'a été Asya alayhi salam. Allah tabaraka ta'ala prit son âme qui se dirigea vers un paradis éternel, dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Ma sœur, toi qui m'écoutes, voilà pour toi un modèle.
Assia, la femme de Pharaon. Assia, la femme de Pharaon qui a divorcé avec ce bas monde et sa richesse pour garder dans son cœur la ilaha illallah. Assia, la femme de Pharaon qui n'a pas eu peur de son mari pour montrer sa foi. Assia, la femme de Pharaon qui a eu peur de personne pour montrer qu'elle était soumise à Allah tabaraka ta'ala. Contrairement à aujourd'hui, comme je vous l'ai dit et je l'ai répété, on a des gens aujourd'hui qui ont honte de dire simplement qu'ils s'appellent Muhammad. Wala hawla wala quwwata illa billah. Des sœurs qui sont complexées parce qu'on l'a appelée Khadija. Tu sais, ma sœur, tu sais c'est qui Khadija radiallahu anha? Khadija radiallahu anha, c'est celle qui a reçu le salam de la part d'Allah azawajal. Mais tu devrais être fière de t'appeler Khadija. Et toi, ma sœur qui t'appelle Aïcha, tu devrais être fière. Et toi qui t'appelles Fatima, tu devrais être fière. Et toi qui t'appelles Khaled, ou qui t'appelles Hamza, ou qui t'appelles Abu Bakr, tu devrais être fière. Subhanallah, tu portes un nom noble. Un nom qui a une histoire extraordinaire. Et t'as honte? T'as honte pour quoi? Pour un diplôme? T'as honte pour quoi? Pour un salaire? Pour un poste? Pour du travail? Mais cette vie, elle est éphémère, tu vas la laisser tôt ou tard. Comment est-ce qu'on peut avoir honte? Pourquoi ne pas marcher avec la tête levée comme ça, mon frère, et être fier d'être musulman? On n'est pas en train de dire qu'on doit être des haineux, des mauvais, avoir un mauvais comportement, répandre le désordre. Non! T'as ton identité, mon frère, et t'as ton identité, ma sœur. Complexé de dire qu'on mange halal, complexé de dire qu'on va faire un mariage halal, complexé de dire que je sors pas avec une fille, complexé, complexé, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mes frères, jusqu'à quand? Mes sœurs, subhanallah, réveillez-vous un petit peu. Vous êtes les descendantes de qui? De Khadija radhiyallahu anha, de Aïcha. Mais est-ce que vous les connaissez, ces femmes? Est-ce que vous avez écouté leur biographie en audio ou lu dans des livres? Voilà pour toi, ma sœur, un modèle. Assia, la femme de Pharaon. Ma sœur, détache-toi de ce bas monde comme l'a fait cette femme pieuse. Et écoute avec moi ce hadith qui est tout simplement sublime, comme tous les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Kabsha radiallahu anhu rapporte qu'il a entendu dire le prophète alayhi salatu wassalam, les biens de ce monde appartiennent à l'un de ces quatre individus. Sur terre, il y a quatre types d'individus. On va les citer, inshallah, en lisant le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et essaye-toi de voir, tu fais partie de la catégorie 1, 2, 3 ou 4. Première catégorie, quelqu'un à qui Allah a octroyé une fortune. Allah lui a donné l'argent. Et lui a donné la science. D'accord? Il craint alors Allah dans sa façon de la dépenser, dépenser son argent. Il en donne à ses proches et il sait qu'Allah a une part dans cette fortune. Cet homme occupe la position la plus enviable. Le top du top, c'est qui? C'est quelqu'un, il a la religion et il a l'argent. D'accord? Ensuite, quelqu'un qui a, écoute bien, une science, mais qui n'a pas d'argent. Et qui se dit, si seulement j'avais de l'argent, j'aurais fait comme qui? Comme un tel, le premier. Et bien le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, il est alors jugé sur son intention, lui et le précédent sont égaux dans le salaire. Ils sont égaux dans le salaire. Ensuite, troisième catégorie de personnes, c'est quelqu'un à qui Allah lui a donné beaucoup d'argent, mais il lui a pas donné de science. C'est un égaré. Il utilise son argent dans le haram, dans le faux, dans l'égarement. Celui-là, il occupe la pire des positions. Et la quatrième catégorie de personnes, il a rien. Il a ni argent, il a ni la religion. Et il se dit, si seulement j'avais de l'argent, j'aurais fait comme la catégorie 3. Je serais parti faire du haram, j'aurais fait ceci et cela. On fait partie de quel type de catégorie? La première, on l'espère, c'est ce qu'il faut cibler. La deuxième, c'est très bien. La troisième, t'es un criminel. La quatrième, t'es trop bête. Chacun d'entre nous, il doit réfléchir. Il doit réfléchir. T'es sur terre, pourquoi? T'es pas sur terre pour ramasser de l'argent. Ce hadith que je viens de citer, il est rapporté par Tirmidhi, il est authentique. Toi, tu n'es pas sur terre pour ramasser de l'argent. Toi, ton objectif sur terre, c'est d'adorer Allah tabarak wa ta'ala et de comprendre que tu n'es pas libre de tes actes, que tu es un abd, un serviteur d'Allah azawajal. Un serviteur, il regarde ce que son maître lui demande. Toi, en tant que musulman soumis à Allah, tu te dois de te plier à ces ordres-là. Tu ne veux pas? C'est ton problème. Le jour du jugement, dis pas que tu n'as pas été prévenu. Tu seras jugé par Allah tabarak wa ta'ala selon ce que tu as fait. Mais par contre, si tu es un abd lillah azawajal, ma sœur, si tu es une servante d'Allah tabarak wa ta'ala, faut pas qu'on en arrive à un stade où
On doit rester avec toi 40 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures pour te convaincre de quelque chose qui est dans le Coran. C'est pas possible. Normalement, tu lis « Sama'na wa ata'na ». J'ai entendu, j'ai obéi. Direct. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Sama'na wa ta'a ». C'est terminé. Il a dit « Nabi, alayhi sallam, j'entends, j'obéis ». Mais venir dire « Oui, mais en fait, tu sais, t'es là, subhanallah, t'es en train de faire ruqya à la personne. Oui, je t'écoute. » Tu vois ? Pourquoi ? Pour lui dire à la fin « Fais ta prière. » Prie le Jumu'ah, porte le hijab. C'est vrai, c'est pas vrai. Des discours, tu dois préparer des discours d'une heure, deux heures, tout ça. Subhanallah, longtemps. Pourquoi? Pour lui mettre en valeur une chose que, normalement, elle le lit, c'est fini. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ma sœur, Asya, la femme de Pharaon, est pour toi un modèle. Détache-toi de ce bas monde, comme l'a fait cette femme pieuse. Vise l'au-delà. Garde les pieds sur terre et avec tes yeux, vise que l'au-delà. Ton âme, elle a besoin de ce qu'on est en train de dire là tout de suite, là, les paroles d'Allah et les paroles du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui fait revivre l'âme. Si tu te nourris pas de ça, tu te nourris de quoi? Les pizzas, les grecs, les pâtes, ça c'est pour le corps. L'âme, elle se nourrit pas avec tout ça. On est d'accord ou pas? Donc je disais, ma sœur, détache-toi de ce bas monde, comme l'a fait cette femme pieuse. Ma sœur, apprends d'Asya la notion du sacrifice. Wallah al-Azim, qu'on a besoin d'apprendre à sacrifier pour notre dîme, pour gagner la satisfaction d'Allah. Ne fais pas de ce bas monde ton principal souci. Non. Ma sœur, que tes soucis ne soient pas les bijoux, les vêtements, le luxe, l'argent, le sac à main, le téléphone, l'iPad. Non. Ma sœur, Asya a refusé la mécréance, elle a refusé de prendre le chemin du kufr pour gagner le paradis. Quant à toi qui m'écoutes, as-tu fait ton choix dans ta vie? As-tu adopté un mode de vie de kuffar ou bien un mode de vie islamique? Ma sœur, est-ce que tu fais la prière? As-tu porté le hijab ou pas encore? Ma sœur, réponds à toutes ces questions. Réponds. Wallahi l'azim uqsim laki billah qu'on n'est pas en train de t'attaquer. Ça s'appelle simplement un conseil d'un cœur qui veut ton bien et qui aimerait que tu sois dans les plus hauts degrés du paradis. Et qu'Allah soit satisfait de toi, ni plus ni moins. C'est un conseil qui sort du cœur pour mes frères ainsi que pour mes sœurs. Enfin, il est grand temps de prendre exemple sur ces femmes pieuses et même les frères y sont concernés. Cette femme qui a abandonné le bas monde pour l'au-delà. Si seulement on faisait ça, nous aujourd'hui, c'est quoi nos objectifs? Un, mon salaire. Deux, la satisfaction du patron. Trois, ce qu'ils vont dire les gens de moi. Ce qu'ils vont dire les gens de moi, c'est devenu, oh, c'est pas n'importe quoi. Hein. On fait et on ne fait pas en fonction de ce que vont dire les gens. Catastrophe de chez catastrophe. Ces gens-là, c'est pas auprès d'eux que tu vas rendre des comptes le jour du jugement. C'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour ça, il faut voilà, méditer, mûrir, apprendre cette religion pour après te déconnecter de ce bas monde-là. Déconnecter, branche-toi. Je suis pas en train de dire, deviens un extraterrestre ou isole-toi. Ou... Parce qu'il y a des gens, subhanallah, ils écoutent ces discours, après ils deviennent des fous, je sais pas ce qu'ils font. Voilà, des fois, quand je dis des discours, je sais que je dis des phrases des fois qui sont waouh, choc, c'est des coups de fouet. Après, je reçois un email, je dis, mais comment il a compris ça? Il est parti à l'opposé, je voulais pas aller jusqu'à là-bas, moi. Je juste reviens parmi nous, d'accord? Hein, Aboubakr? Plus d'une fois, t'as déraillé, hein? Sur Facebook, on t'a banni 12 fois, tu reviens à la charge avec un nouveau nom. Rien à faire, mon frère. T'es un virus. Donc, Ahbab al-Karam, pour terminer, Inch'Allah, Asya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Cette femme est un modèle pour nous, les hommes, pour vous, mes sœurs. Apprenez d'elle que ce bas monde n'a pas de valeur. Apprenez d'elle qu'on est sur terre pour construire notre vraie demeure, celle de l'au-delà. Apprenez d'elle qu'on doit tout faire pour gagner la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour terminer, il y a un point qui est important, j'ai envie de vous en parler. Certains hadiths ont été rapportés dans les livres de tafsir, disant qu'Asya sera l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam au paradis. Ils ont pris pour preuve le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Tahrim, Sourate 66, verset 5, « Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khayran minkun, muslimat, mu'minat, qanitat, ta'ibat, abidat, sa'ihat, sayyibat wa abkara. » S'il vous répudie,
donc le prophète, alayhi salatu wasalam, il se peut que son seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. Certains savants du tafsir ont dit que concernant les femmes déjà mariées ou vierges, qu'il s'agit pour la femme déjà mariée d'Asia, Asia bint Muzahim, la femme de Pharaon, et la vierge est Maryam bint Imran. Et ils ont cité plusieurs hadiths rapportés par l'imam al-Tabarani, al-Hafidh ibn Asakir et d'autres parmi les savants du hadith, mais tous ces hadiths ne sont pas authentiques. Tous ces hadiths ne sont pas authentiques, donc ne diffusez pas qu'Asia, ça sera la femme du prophète alayhi salatu wasalam au paradis. Et pour dire de telles paroles, il faut que cela provienne soit du Coran, soit de la sunna authentique du prophète alayhi salatu wasalam. Je termine en disant qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée Asia alayhi salam et la récompense de la meilleure des manières. Cette épouse pieuse, cette épouse patiente, cette épouse courageuse, cette épouse pure, cette épouse croyante, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous rassemble auprès d'elle au paradis, aux côtés du messager d'Allah alayhi salatu wasalam, bien que nos œuvres soient insuffisantes. As-salah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qult wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakum Allahu khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.